Comment on appelle déjà? On appelle ça un inventeur. Hein, ouais. Ah, je sais pas. Vous êtes l'inventeur de... Ouais, ouais, l'inventeur. Ah, on appelle ça un inventeur. Voilà. Alors que c'est pas le bon exact finalement. Pourquoi? Parce qu'un inventeur, c'est quelqu'un qui invente quelque chose. Non, c'est celui qui trouve l'objet. D'accord, ok. Alors, cet objet, je l'ai trouvé en 2006, voire début 2007. Alors, suite à un arrachage d'une vigne, j'étais, après avoir enlevé les souches, j'étais en train de ramasser les racines qu'il y avait par terre. Ça gêne pour les outils. Et j'ai trouvé, c'était à la surface du sol, et bien sûr, le trou était comblé par de l'argile. Alors, elle m'a paru sympathique. Je l'ai mise dans ma poche, et puis en arrivant à la maison, je l'ai passée sous l'eau, j'ai enlevé l'argile, et puis est apparue la pierre, bien propre, comme ça, nickel. Elle est très belle. Et puis, j'ai pensé que c'était... que ça avait un rapport avec l'accastillage de bateaux. Voilà. Ah, l'accastillage, ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des... Ouais, je sais pas. C'est rigolo. Voilà. Ouais. Et puis, donc, je m'en suis servi pendant plusieurs années sur mon bureau. Elle était là en tant que presse-papier. À l'occasion d'une foire à Fabrègues, on a monté un petit stand pour présenter le fameux labyrinthe végétal. Et donc, ce jour-là, moi, j'avais très mal au dos. J'ai dit à mon épouse, tu vas tenir le stand. Et puis je suis parti pour me reposer. Quoi. Et Jean-Claude est arrivé. Et puis il était intéressé par le labyrinthe. Il s'est mis à parler avec mon épouse. Et puis ses yeux se sont portés d'un coup sur l'objet, sur cette pierre. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors mon épouse a dit, ça sert à caler les flyers. Pour empêcher qu'il y ait du vent. Mais pour moi, ça n'avait aucune valeur, quoi, hein, à part que la beauté de la pierre. Et c'est là qu'il a dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Vous savez ce que c'est? Mon épouse lui a dit, non, c'est à mon mari, j'en sais pas plus. Et là, il a dit, c'est une hache marteau, et ça doit dater du néolithique. D'abord, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça complètement surréaliste, parce que moi, je suis amateur d'archéologie, et je travaillais justement sur la technique de perçage des haches marteau. Oui. Et quand j'ai vu ça sur le stand de Monsieur Blain, j'ai trouvé ça complètement surréaliste, il n'y a pas d'autre mot. J'ai même pensé que c'était une blague. Je regardais, j'ai dit, c'est pas possible, on me fait une blague. J'étais tellement surpris et heureux de trouver un tel objet. Alors bon, j'ai bien sûr reconnu, parce que comme je travaille là-dessus, j'ai bien sûr reconnu une hache marteau ou hache bipède. En fait, celle-là, elle est un petit peu les deux. Et alors, j'ai dit à monsieur Blain que c'était un objet... Allez, appelle-moi Jean-Michel, ça ira plus vite. Et j'ai dit à Jean-Michel que c'était un objet complètement exceptionnel. Enfin, c'était quelque chose... Enfin, pour la région, parce qu'ici, je me suis renseigné par la suite, à part une demi-hache dans l'Aude, une demi-hache dans le Gard, c'est vrai qu'on n'avait pas trop... On n'a pas trouvé des haches marteaux. J'ai signalé cette découverte au SRAP, à la DRAC. Et puis par la suite, j'ai dit, bon, mais ça suffit pas, il faut que cette pierre le renaisse encore à nouveau. Cette beauté. Voilà, cette beauté. C'est exceptionnel. Et donc, à l'occasion du colloque à Carcassonne en 2013, j'ai rencontré M. Vaquer et je lui ai fait part de cette trouvaille, cette exceptionnelle trouvaille. Donc, c'est important de le déclarer. Ouais. C'est important de le déclarer parce que c'est une obligation de la loi. Mais c'est aussi important parce que ça permet de bien cadrer les choses. Mmh. Il faut bien déterminer la parcelle cadastrale où il a été trouvé. Voilà. Parce qu'avec la parcelle cadastrale, on a le propriétaire. Voilà, on sait à qui ça appartient. Ouais. Donc je suppose que c'est chez vous. Oui. Oui. Donc en l'occurrence, vous êtes à la fois l'inventeur et le propriétaire du terrain où ça a été trouvé. Donc l'objet est en due propriété. Voilà, votre propriété. Ce qu'on avait évoqué avec toi. Tout à fait. Voilà. Évidemment, c'est un objet qui est un peu privé de son contexte. Hein. C'est une trouvaille fortuite. Pour les archéologues, c'est toujours mieux de trouver un objet avec ce qui l'environne. Oui. Est-ce que c'était une sépulture? Est-ce que c'était un habitat? Est-ce qu'il y avait des poteries associées qui permettraient de bien la dater? Est-ce qu'il y avait du bois? Puisqu'on est dans un milieu humide, il se pourrait qu'il y ait des restes de bois qui permettraient de dater. CH, en gros, en France, il y a deux, enfin en France, en Europe occidentale, il y a deux zones où c'était, deux principales zones. Il y en a une, c'est le nord-ouest des Alpes, c'est-à-dire la zone où il y a tous les établissements lacustres, la zone des plateaux, c'est-à-dire la Suisse, le Jura. Ça, c'est une première zone où on utilise des roches vertes alpines, un peu de ce genre. Et puis l'autre région où on a fabriqué beaucoup, c'est la Bretagne.
où là on utilisait une roche particulière qu'on appelle la méta-hornblendite. Donc pour nous là, l'analyse sera intéressante parce que ça va nous dire si c'est un objet qui vient des centres de production alpins ou bien si ça vient de Bretagne. Un des vignobles les plus beaux de France à l'époque. Ah bon, carrément. Ouais, carrément. Ouais, ouais. De les trouver entières comme ça et aussi bien conservées, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. On en a vu sur internet, hein. Oui. Des pierres. Rappelle-toi, des comme ça, percées là. Des percées aussi, oui, oui, oui. Mais avec des bords arrondis et puis ouais. Érodés. Ah mais il y a toute une typologie, oui, ouais. Bien sûr, il y a beaucoup de types. Les plus jolies, c'est celles du Danemark, c'est les plus belles. Ouais. Parce que même là, ils ont imité des décors qui étaient faits sur les haches en métal. Ils les ont refaits en pierre, mais en imitant les décors. Ah oui, avec un ourlet. C'est absolument incroyable. Ouais. Alors, je l'ai trouvé voilà, à peu près à 50 mètres d'ici. Hein. Si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Donc, c'était ici, alors. C'était ici. Oh, à 20 mètres près, quoi. Ouais, d'accord. On ne voit pas de... On ne voit pas abondance de vestiges, mais si on regardait bien, peut-être on verrait quelque chose. Ce que l'on peut faire pour essayer d'aller plus loin dans les connaissances de cet objet, c'est d'analyser la roche qui le compose, mais évidemment sans abîmer en absolument rien la pièce, hein, la pièce archéologique. Or actuellement, on a des méthodes qui permettent d'analyser avec un rayon lumineux. Ça permet d'analyser la roche, de savoir quelle est cette roche, et c'est ce que l'on pourra faire au musée d'Orniac avec monsieur Herrera. D'accord. Radiométrie est une méthode extrêmement simple, connue depuis très très longtemps, peut-être pas dans ses raffinements actuels, mais quand même connue depuis très très longtemps. Et c'est une méthode qui est surtout utilisée par les gens qui font de la télédétection, donc tout ce qui est l'imagerie satellitaire. Alors, l'imagerie satellitaire, pourquoi ? Ben, c'est simplement parce que c'est une analyse non destructive. On peut prendre des mesures de près, comme c'est le cas ici, mais on peut prendre des mesures à plusieurs années-lumière, ou c'est le cas par exemple, pas plusieurs années-lumière, mais quand même fort loin, c'est le cas du petit robot qui se trimballe sur la planète Mars et qui a démontré, avec un appareil très similaire à celui-ci, qu'il y avait eu de l'eau sur Mars notamment. Cette méthode, qui est une mauvaise méthode analytique, son principal atout vient de ses défauts. En ce sens que toutes les raisons que j'ai évoquées pour dire que c'était une mauvaise méthode, c'est ce qu'on appelle les effets matriciels, deviennent un atout extraordinaire lorsqu'il s'agit de comparer des objets. De comparer des objets comme des haches, voilà, comme cette hache-ci par exemple. Et lorsqu'il s'agit de comparer ces échantillons archéologiques à des échantillons naturels dont on connaît la provenance, à ce moment-là, tous ces défauts deviennent d'extraordinaire qualité parce que deux échantillons ne se ressemblent pas. On peut donc assez facilement montrer que tel échantillon, dans un certain nombre de références, correspondent à des objets précis, des objets archéologiques. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est la lumière qui est réfléchie par l'objet, et on va la comparer à un blanc, à une référence, voilà, une référence qui est blanc, non seulement qui est blanche sur la partie visible du spectre, mais qui est blanche sur toute l'étendue du spectre.
la partie que nous voyons est tout à fait limitée. Et dans toute cette étendue du spectre, on a énormément d'informations qui vont pouvoir permettre la détermination de l'objet, mais surtout une bonne comparaison avec un référentiel d'échantillons qui ont été prélevés sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on va donc mesurer ? C'est la lumière qui est réfléchie par l'objet. Si un objet est noir, c'est qu'il ne réfléchit pas de lumière. Si l'objet est coloré, il réfléchit une lumière colorée, et c'est cette lumière que l'on va analyser. Le post-traitement, donc une fois que le spectre a été enregistré, on va faire subir à ce spectre un traitement tout à fait classique, qui est de supprimer les chevauchements. Alors, on a le spectre de la référence en rouge ici, et puis on voit un spectre qui est beaucoup, beaucoup plus petit ici en orange. Ça, c'est le spectre renvoyé, c'est la lumière renvoyée par cette hache. Hein, ceci est caractéristique d'une serpentinite. Je te les confie parce que oui. Je vais aller chercher l'appareil photo. D'accord. Je comprends pourquoi ils utilisaient cette matière-là, oui, c'est plus qu'une autre. Parce que pour percer, là j'ai mis 8 à 10 heures pour percer l'hache en jadéitite, non, en serpentinite, que oui. La première pierre noire que je vous ai montrée, qui était très noire, alors que la pierre verte qui est encore dans son châssis, j'ai mis 35 heures pour faire la même profondeur. Oui. Génial. Voilà. Alors, on s'apprête en fait à essayer une technique de perçage des haches à marteau. C'est une technique que j'ai expérimentée et qui semble fonctionner. Mais au départ, ce qui nous a un petit peu aiguillé vers cette technique, c'est que sur les recherches qu'on a faites sur Internet, nous ont permis de découvrir des haches marteau inachevées, cassées et abandonnées. Et elles avaient cette caractéristique. C'est que certains le présentaient un carottage au milieu. Alors ça nous a aiguillé vers une technique qui est la technique du perçage avec un objet tubulaire, ce qu'on appelle le trépan aujourd'hui. Et alors bien sûr, on a regardé un petit peu au néo ce qui existait comme objet tubulaire. Alors, on a pensé aux os d'animaux, au bois de serre, mais qu'il fallait travailler, bien rendre cylindrique et tout ça. Et puis, bon, on a pensé aussi à des végétaux. Bon, il y avait le bois de sureau. Le bois de sureau, c'est sûr, ça existait au néo. Alors, il y a un matériau qui va très, très bien, c'est la canne de Provence. La canne de Provence, elle a cet avantage que, bon, elle est cylindrique, elle est parfaitement droite, elle est tubulaire. Hein, et donc, on a essayé avec ce matériau-là. Alors, au début, on a enchâssé un galet, on a fait un premier essai sur un galet, bon, ça s'est révélé positif. Donc on a façonné ensuite, enfin j'ai façonné par la suite une hache marteau. On l'a chassée à l'intérieur entre deux planchettes, la planchette supérieure étant percée du diamètre du roseau. Et alors c'est sûr que le roseau lui seul n'est pas en mesure d'abraser la pierre, donc il a fallu ajouter un abrasif, et l'abrasif, bon, c'est ni plus ni moins que du silex concassé. Les premières expérimentations ont démontré que si on utilisait le méplat formé par la base de la canne de Provence, ça lustrait la hache marteau plus que ça ne l'usait. Donc au début, on a donc compris qu'il fallait faire, comme dans les outils modernes, faire des petits crans pour permettre au silex concassé de venir se placer, non pas de chaque côté du trépan, mais sous le trépan. Voilà. Alors, il y a deux crans qui ont été faits de chaque côté là, de la canne de Provence. Le silex, on a mis du silex à l'intérieur de la petite ouverture. Un petit peu d'eau, parce que l'abrasion, c'est bien connu, se fait toujours mieux avec de l'eau. Une pommelle pour ne pas se blesser. Et à partir de là, voilà. Alors apparemment, il faut bien régler cette partie-là, sinon c'est un petit peu désaxé. Et quand on a trouvé le bon axe, voilà,
Et là, pendant des heures, bon, il s'agit d'abraser la pierre. Et là, au bruit, on s'aperçoit qu'il y a abrasion. Alors, de temps en temps, il faut vérifier que les encoches sont bien réalisées, ajouter un petit peu de silex, très peu, finalement, ça consomme pas énormément de silex et pas énormément de canne de Provence. On pourrait penser que le s'abrase plus rapidement que la pierre. Bien sûr, ça s'abrase plus rapidement que la pierre, mais finalement, dans une proportion assez raisonnable. Au départ, on a choisi cette pierre qu'on a analysée tout à l'heure et qui est réputée être très dure, alors qu'en fait, on avait fait un test sur une serpentinite, laquelle, elle, accepte mieux l'abrasion et on descend plus rapidement. Voilà, pour donner un ordre de grandeur, là j'ai réalisé sur cette pierre 5 mm de profondeur en 30-35 heures, alors que la serpentinite, j'ai réalisé la même profondeur en à peine 8 à 10 heures. Donc il faut trois fois plus de temps pour certaines pierres. Voilà, et le résultat, on peut peut-être la sortir de son enchâssement. Et montrer que effectivement, en nettoyant un petit peu, en enlevant le silex, que cette technique fonctionne. Alors, est-ce que c'est la bonne technique qu'utilisaient nos gens du néolithique? On ne sait pas. Est-ce qu'ils utilisaient plutôt un os d'animal, un bois de cervidé? Non, c'est pas un autre objet tubulaire. Mais c'est vrai que la canne de Provence va très bien. On pourrait penser que bon, d'autres végétaux ont pu être utilisés, comme le sureau, voire d'autres végétaux que dont je n'ai pas connaissance. Il faut percer. Il ne faut pas essayer de percer un côté puis essayer de percer l'autre, comme les perçages tronconiques. Il faut toujours percer. C'est dans un sens. Dans un sens, parce que j'ai essayé là, de faire galet. Là, c'est du haut là vers le bas. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont poli l'intérieur. Oui. Et pour polir l'intérieur, moi j'ai pensé justement à une matière comme ça, un petit peu roulée, un petit peu imprégnée de silice ou je ne sais pas quoi. Et vous savez, le faire rentrer et sortir comme ça, vous voyez, tac, tac, tac. Et c'est vrai que ça peut s'évaser au moment du polissage. Moi j'ai l'impression que c'est évasé des deux côtés, à vue d'œil comme ça. Hein. Il y a deux raisons à cela peut-être. Soit le polissage, soit qu'ils ont percé de chaque côté. Hein. Ça devait un jeté. Hein. Surtout si elle a vécu dans le village. C'était pas trop. Oui, il faut voir si c'était pour circuler dans... C'était le chef. Oui, c'est ça. Hein. Les tombes les plus riches à Varna, des hache-marteau comme ça. Ben, le roi, entre guillemets, de Varna, il a ça à l'épaule. Oui. À l'épaule. Tout à fait. Ouais, donc, il y a de l'or partout, mais là, Et tu as une statuette en terre cuite trouvée en Hongrie où le. Il a l'âge sur l'épaule. Il y a l'âge marteau sur l'épaule aussi, oui. Ah. Il n'a que ça, le personnage. Il a sa hache-marteau sur l'épaule. C'était pas l'ouvrier spécialisé non, à l'époque. Non, c'était pas le prolétaire. C'était pas le prolétaire moyen. Prolétaire de l'époque. Ah, j'imagine bien. Ouais. Il faut savoir que ces genres de pièces, d'abord, c'est pas des outils, ce sont des armes. Et en Europe, au néolithique, il y avait en gros deux Europes. Une Europe de l'Est qui avait du métal, qui avait du cuivre. Et une Europe de l'Ouest qui utilisait les pierres vertes et qui ne connaissait pas encore le métal. Mais par contre, il y avait peut-être de temps en temps quelques objets qui étaient importés, des objets en métal qui étaient importés vers l'Ouest. Et les hommes d'ici les imitaient. C'est ce qui s'est passé là. Ouais. Parce que ce mode d'emmanchement par une douille transversale, c'est-à-dire un trou qui la traverse, ça fragilise l'objet en pierre. Bien entendu. Si on s'en servait, ça risquerait de casser. Ici. Il est conique en plus. Voilà, donc ça a été fait pour imiter un objet en métal. Parce que comme nos marteaux actuels ou nos haches actuelles, l'histoire des douilles, des douilles dans lesquelles on insère le manche, c'est quelque chose de métallique. C'est prévu pour le métal et pas pour la pierre. Donc ça, c'est une copie, une imitation d'un objet en métal.
et pas d'un outil qui servait tous les jours parce qu'on le casserait. Voilà. C'est plutôt une arme, voire un emblème, quelque chose aussi. Qui servait pour marquer le statut de chef ou autre. Une arme de décoration. Alors, voilà, ça fait partie de ce que l'on appelle les haches de bataille. Alors on suppose que c'est lié à une population dans laquelle il y avait des guerriers déjà et qui s'identifiaient souvent par ce genre de pièces, parfois en plus par un poignard ou autre. Et dans la région de l'Aveyron, on a quelques figurations de statues menhirs qui représentent des personnages importants de l'époque. Et ils portent évidemment un poignard et parfois ils portent aussi une hache comme ça qui est figurée ici un peu comme un emblème. La hache-marteau de Fabrègues appartient au type de la culture de Horgen, localisée au nord-ouest des Alpes, entre 3200 et 2009 avant notre ère. De nombreux exemplaires en serpentinite ont été trouvés entre le lac de Constance et le lac de Zurich. Cette hache en serpentinite est une importation provenant de la région de Zurich, à 600 km de Fabrègues. C'est une preuve de contact entre la culture de Horgen, qui connaissait la métallurgie du cuivre, et la culture de Ferrières, qui ne la pratiquait pas encore. Il est possible que ces contacts soient liés à la progression des métallurgistes vers le sud-ouest de l'Europe.